Quel bonheur à toi de frapper les mains. Qu'est-ce que si bénissant. Amen. 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 On va rester dans la même position. On va aller dans Exode chapitre 10, verset 13. Pas Exode, Ézéchiel chapitre 10, verset 13. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillon. Amen. Maintenant, on va aller dans Luc chapitre 15, verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Amen. 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 On va vous donner ce cantique. J'ai pas tiré des amas. Je vous donnerai du repos. Ok, déjà, j'ai pas tiré des amas. Je vous donnerai du repos. Ce matin, pour ce chant merveilleux que tu nous as donné, tu es merveilleux pour notre vie, tu es merveilleux pour ta petite épouse, c'est ton père. Sois béni éternellement pour ce culte que tu nous donnes ce dimanche, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. 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 Et amen. Amen. Sur la terre. Amen. Pour cultiver la terre. Amen. Donc Dieu trois fois saint ne suffit pas à la terre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il était obligé de sortir de son trois fois saint. Amen. Parce que le prophète Branham a eu la pensée. Amen. Amen. De prêcher le vent d'un tourbillon. Amen. Amen. Là, il a peur de prêcher le vent d'un tourbillon. Amen. Et par deux fois, il a eu le désir de prêcher le vent d'un tourbillon. Amen. Mais par deux fois, Dieu n'a pas voulu qu'il prêche cela. Amen. Vous ne me dites, je ne sais pas pourquoi. Par deux fois, Dieu a envoyé tout message pour qu'il dépose ça. On voit pas le vent d'un tourbillon. Amen. Et nous voyons que Dieu nous a donné ce message ici à Thiasalé. Amen. Ce qui a empêché son prophète de prêcher, Amen. Nous prêchons.
prêchons ça ici. Et aujourd'hui, nous allons prêcher encore cela sous une autre forme. Dites Amen. Parce que Dieu a dit qu'elle allait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais l'Église s'est levée. Les trois personnes ne suffisent pas à l'Église. Ça ne peut pas arranger l'Église. Dites Amen. Personne ne doit être baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Le toit qui doit sur la tête de quelqu'un, ça ne peut pas entrer au ciel. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, quand Dieu devait descendre, il a dit aux quatre vents, aux quatre ancêtres qui sont aux quatre coins du monde, d'arrêter les quatre vents. Dites Amen. Donc trois vents ne suffit pas. Dieu est élevé en Orient et qui s'est présenté en Occident au Nord et qui s'est présenté en Occident, c'est le Père du Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Alors pourquoi Pierre s'est élevé ce jour-là? Il a dit baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun pasteur, un véritable pasteur, est à l'œuvre dans les...
n'ont pas d'appel. Quand tu n'as pas d'appel, mais tu es obligé de faire le ministère. Parce que tu es dans une assemblée, tu es dans une ville. Qu'est-ce que tu crois n'est pas là-bas. Amen. Et tu ne peux pas aller prier dans les autres églises. Donc tu es obligé de te faire toi-même pasteur. Ça, c'est obligatoire. Tu es béni ça. C'est obligatoire. Tu te fais toi-même pasteur. Mais puisque tu sais que tu n'as pas ce don-là, tu n'as pas ce rouleur en toi, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément te connecter à un don pastoral quelque part. Et c'est un pasteur, mais c'est un véritable appelé. Ou même c'est un véritable appelé, il a forcément le Père en lui, le Saint-Esprit en lui, le Logos en lui. Tous les trois autres ministères là sont forcément en lui. Alors ce qui fait que toi tu n'es pas appelé, mais les conditions font que forcément tu dois être pasteur, tu dois te connecter à ce pasteur là. Quand le don pastoral devient apôtre, tous les dons de Dieu, que le Dieu les a appelés, sont forcément apôtres. Parce que pour tout appelé, beaucoup de ceux qui font les ministères ne sont pas des appelés. Ils sont obligés de coûter quelqu'un qui est moins. Ils sont obligés de coûter quelqu'un qui est un véritable appelé. Ils sont obligés de se soumettre à un ministère sur la terre ici. Que ce monsieur, quand on le voit, sa vie est sacrifiée. Il est différent de nous. Il fuit par les esprits du Seigneur. Il a un esprit qui l'accompagne. Il fuit par des amen. Il y a eu un esprit en haut. Et lui, il a le roux de cet esprit-là.
ce nuage-là. Toi, la vitesse que ce nuage-là tourne, c'est à la vitesse que ce vent est en train de tout noyer. C'est ça l'ouragan. Donc, en réalité, c'est pneu, c'est roux. Quand Ézéchiel a vu, et que la Bible dit, ce nom tourbillon, que la manifestation montre que ce sont des ouragans. Parce qu'ils ont la source dans le ciel. C'est l'être qui est, c'est ce ange-là, l'être-là, celui que son esprit est en lui. Quand il bouge, là, il bouge. Quand il avance, là, il avance. Donc ces roues ont une connexion dans le ciel. Or, un tourbillon n'a pas de connexion dans le ciel. Pour qu'il va être enlevé, c'était un tourbillon. Ça veut dire, il est parti au-delà du Jourdain. Il était dans le désert avec un Élisée. Mais un tourbillon est venu. Ce tourbillon n'avait pas de source céleste. C'était un tourbillon qui s'est élevé comme un vent violent qui a commencé à tout noyer sur lui-même. Et puis les chars de feu. Si on veut bien voir même ce tourbillon même qui s'est passé au temps d'Élie était aussi un ouragan. Parce que les chars de feu ont commencé à circuler dans ce tourbillon. Depuis le ciel, depuis l'éternité, c'était leur manière de descendre. C'était leur manière de s'exprimer pour venir chercher Élie. Donc quand ils sont venus, ils venaient avec ce tourbillon. Donc c'est depuis le ciel. Mais l'homme appelle ça tourbillon. Parce qu'on ne voit pas d'orage. Parce qu'en réalité, quand on parle de ouragan, c'est accompagné d'orage. Or, tourbillon n'a rien à voir avec l'orage. Mais ce jour-là, c'était connecté au ciel. Mais les gens n'ont pas vu d'orage. Donc, ils ont appelé ça tourbillon. Or, c'était quelque chose qui est connecté depuis le ciel. À la vitesse que le vent tournait, c'était à la vitesse de ces chars qui venaient du ciel. Ils faisaient tournoyer le vent. Parce qu'ils ne pouvaient pas descendre directement. Ils étaient en train de former un entonnoir. Et quand Jésus aussi montait au ciel, il a
tout ce que Jésus a fait. Dites amen. C'est pour ça qu'en ce temps de la fin, quand on a vieilli, quand on est dans ce temps de la fin, en la personne de Branham qui s'est manifesté, quand Branham est mort, on doit savoir qu'obligatoirement, une plus grande puissance va descendre dans l'église. Une plus grande autorité va descendre dans l'église. Quelqu'un de Branham peut s'arrêter et puis va dire, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Il va venir. Quelqu'un de Branham va regarder, il va dire, mais ce que tu vas recevoir là, c'est compliqué. Mais si tu me vois partir, quand tu vois le tourbillon, tu seras là pour moi et ça va descendre en toi. Toute l'année, c'est pour cela qu'on ne peut pas croire. La même puissance que Branham manipulait, on voit une puissance plus élevée, une puissance de l'immortalité, dans la puissance du midi, dans le tourbillon du midi, dans le vent du midi, qui a été prophétisé. Et le tourbillon se lève dans un période de chaud. Le sort, tellement qu'il fait chaud, que quand le vent signe du vent, puis ça crée une sorte de rotation, et ça commence à tourner. Et bizarrement, quand il tourne, il y a une grosse tête en haut, et petit en bas. C'est pour te dire que tout ce que Dieu est, quand ça vient sur la terre, là, c'est petit. Amen, amen, amen. Dites amen. Toute la puissance de Dieu qui est au ciel, l'amour qui est au ciel, la puissance créatrice, la puissance de manifestation, la puissance de prédication, la puissance de compréhension de qui Dieu est. Quand ça arrive ici, c'est petit. Tout ce qu'on fait, ça, c'est petit. Tout ce que les gens font aller, ils guérissent les gens, c'est petit. Les camions qui ont chargé les malades, c'est petit. Dites amen. Amen, amen, amen. Parce qu'en réalité, la puissance même que Dieu nous a demandé, ce n'est pas ce que l'Église manifeste. Mais c'est où ça nous arrive. Jésus a dit, c'est le vent d'un tourbillon. Je vais ça, il s'agit. Jésus a dit, si vous avez la foi, une petite foi, comme un cri de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne-là, faut quitter ici, jette-toi dans la mer. Et la montagne part de son pays. Dites amen. Amen. Jésus n'a pas dit montagne pour rien. Il n'a pas dit la mer pour rien. C'est-à-dire que le problème qui est dans ta vie, quand un point vient prier, il enlève le problème pour tout ça. Ça ne peut jamais venir. C'est pour ça qu'on jette ça dans la mer. Amen. La mer, ça veut dire qu'il s'est oublié. Ça ne peut plus jamais refaire sur place, sur surface dans ta vie. Si tu es venu un jour et qu'on t'a ressuscité des morts, c'est que tu ne vas plus jamais mourir. Amen. C'est cette puissance-là que Dieu nous réserve aujourd'hui. Si quelqu'un est venu à l'église et que tu as prié pour ce mot de tête et que tu as enlevé sa puissance dans la mer, plus jamais sur la terre il va avoir un mot de tête. Nous sommes dans la puissance de l'éternité où quand Dieu donne, il ne reprend plus. Branham dit, quand on te guérit aujourd'hui, demain tu vas tomber malade. Quand on te guérit, tu vas tomber malade parce que soit tu es déplacé la montagne. Déplace les problèmes. Non, tu as mot de vente aujourd'hui. On prie. On a déplacé. Mais dans 2 mois, mot de vente est là encore. Tu as paru. On prie. Tu es guéri. Mais dans 2 mois, 3 mois, le même paru vient. Pas que le même paru est revenu, comme s'il est si vite. Mais les moustiques sont venus. Ils n'ont pas trouvé que tu es immunisé contre le. Comme le paludisme. Il te pique encore, tu tombes encore du paludisme. Ça veut dire que le monsieur qui a prié, il n'a pas jeté ta maladie dans la mer de l'oubli. Il l'a déplacé. Donc à tout moment, tu vas encore aller croiser la montagne pour te couper à un autre niveau que tu l'as vu ici. Tout à l'heure, oh, la puissance la plus élevée que Dieu donne à son église, c'est une puissance de quand tu pries pour un malade. Le monsieur, c'est la plus malade de cette maladie. Il est immunisé dans le vaccin. Ta prière est le vaccin. Tout doit enlever des maladies définitivement dans les gens. Tout à l'heure, c'est pour ça depuis que la puissance de l'éternité a descendu depuis le 28 février.
jamais mourir. Amen. Alors tu es atteint. Parce que le jour-là, tous ceux qui vont citer des morts, par celui qui fait l'appel à la résurrection, amen. Ça veut dire que toi, tu ne vas plus jamais mourir. Amen. Parce qu'il a enlevé la mort en toi. Amen. Il a jeté ça dans la mer. Amen. C'est fini. Amen. Putain, amen. Le problème pour que les gens cherchent ce que tu as dans la mer. Amen, amen. Allez. Amen. Alors le vent du midi, le vent du... le vent d'un tourbillon. Dieu, il a commencé par le vent de l'Orient. C'était un vent qui était pour se former. Il a continué avec le vent du Nord. C'était un vent. Vous voyez, c'est quatre vents pour monopoliser la terre, pour qu'il puisse sceller ses élus. C'est quatre vents. Pour que Dieu puisse enlever son église, il doit monopoliser les quatre vents. Mais il a monopolisé toi. Il a monopolisé l'Orient, le Nord et l'Occident. Et les gens veulent être enlevés avec ça. Ce sont les croyants catholiques. Amen. Amen. Ils sont assis dans le Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Oh, il faut Jésus-Christ. Il faut attendre le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit va descendre. Il va ouvrir son pneu sur la terre ici. Et son pneu va dire, il faut un quatrième vent qui va vous sauver, qui va vous envoyer au ciel. Tout le monde est sur les trois là. Vous allez aller en enfer. Amen. Ça vous délivre pas. Amen. Depuis qu'on a chuté, nous prions pour faire passer la délivrance. Amen. C'est le Dieu Saint qui nous annonce. Amen. C'est parce qu'il est saint même qui nous a fait tomber. Amen. Il est trop saint, il ne supporte pas le péché. Amen. Donc c'est sa sainteté là même qui nous crée le problème aujourd'hui. Amen. Donc son trois fois là, ça ne nous arrange pas. Ce qu'il a fait en Occident, ça ne nous arrange pas. Le vent qu'il a fait en Occident, ça ne peut pas nous sauver. Il faut un quatrième vent. Il faut le quatrième être qui est au quatrième coin du monde, qui est ici au midi. C'est lui seul, Dieu n'a pas encore monopolisé. Oh, c'est ça que tu es en train de monopoliser maintenant. Pour que son épouse soit scellée pour ce jour-là, pour le grand enlèvement. Amen. La c'était le pasteur, c'est l'apôtre, c'est le docteur, c'est l'évangéliste. Ce sont les vents du tourbillon. C'est eux qui créent le tourbillon. Si le tourbillon est dans cette église, voici l'église de l'enlèvement. Amen. On ne peut plus croire à une manifestation d'un pasteur. Amen. Amen. On croit à la manifestation de la roue. Ou quand tu regardes, le pasteur est dedans. Il enseigne. Il est pasteur, amen. Il est docteur, amen. Il est évangéliste, il est apôtre. Parce que si tu es au moins de Dieu, ton don va forcément se poser à ton ministère. Amen. C'est obligatoire. Amen. 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 Alors les quatre êtres, et eux-mêmes là, ils ont quatre faces. Ils ont la face du veau, la face du lion, la face de l'homme. Et la face de l'air. Amen. Dont les quatre ont ça. Amen. Donc finalement, leurs pneus qui sont sur la terre, leurs roues qui sont sur la terre, eux, ils n'ont pas les quatre faces. Amen. Comme les animaux qu'on symbolise. Mais eux, ils ont leurs roues des autres là. Amen. À l'intérieur d'eux. Dans leur manifestation, ça manifeste tous les quatre, tous les trois autres roues en lui. Tout pour dire que si toi, tu es vraiment connecté à un de ces êtres-là qui a quatre faces, tu seras obligatoirement quelqu'un qui manifeste tout le temps. Amen. L'esprit de la prophétie n'est pas vraiment un don symbolique, amen, unique, mais c'est un don de tous les fils de Dieu. Amen. Tous les êtres qui sont sortis de Dieu ont l'esprit de Dieu en eux. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est la parole, est l'esprit de la prophétie. Donc, ça veut dire que tout ce qui est Dieu même là, c'est la prophétie qui est là. C'est l'esprit de la prophétie. Mais les dons, pour que tu sois apôtre, pour que tu sois docteur, Dieu a décalé ça dans quatre êtres qui doivent représenter toute sa manière de se former en
en tant qu'un être invincible dans un homme. Voilà pourquoi c'est mieux et ça fait les yeux partout. Parce que quand tu as les yeux partout, si tu veux dire qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas un endroit que Satan peut passer pour t'atteindre. Parce que tu as les yeux qui surveillent partout. Mais quand tu es seulement docteur, tu as seulement la face de l'homme. Si Satan vient ici à gauche pour attaquer le côté elle, il va t'avoir. Parce que là, il va te dire il ne veut pas de révélation. L'aide est là pour montrer haut. L'enseignant, il est sur la terre avec la tête. Il va t'avoir. Il va passer sur le côté pastoral. Comment dominer les problèmes dans l'église? Toi, il dit, oh, moi, je n'aime pas ce sang là-haut. Vous voyez le frère David ici, il domine les problèmes. Amen, amen. Amen. Mais s'il domine trop, qu'il n'a pas les autres en lui, il sera handicapé. Amen. Donc ne pas être handicapé. Tu ne peux pas être forcément évangéliste. Tu es toujours évangéliste. Tu ne pourras pas dominer les problèmes dans l'église. Et Satan va t'avoir. Quand il a pris Moïse, Moïse avait des problèmes dans son église. Mais son esprit de pasteur a fait qu'il était patient. Il était tout. Il les supportait. Il les unissait. Parce qu'il a l'esprit pastoral en lui. S'il n'avait pas ça, Satan allait frapper. D'ailleurs, même le jour que ça faiblit un peu, malgré qu'il essaie de surmonter, mais devant Dieu, il a désobéi Dieu en surmontant trop les gens. Amen. Alors, je te vois les quatre êtres en toi, les quatre faces en toi, les trois nouvelles autres êtres en toi, pour que l'église soit parfaite, pour que l'église soit une église de l'enlèvement, une formité pour nous, qui tourne comme un tourbillon. Un tourbillon n'est pas seulement un vent, un ouragan n'est pas un vent, un ouragan c'est plusieurs vents, un tourbillon c'est plusieurs vents qui se suivent ensemble. Donc toi tu dois savoir, pour être ce que tu es, tu dois forcément avoir les quatre là en toi. Mais tu ne fais pas d'effort. Ben, les roues qui sont sur la terre n'ont pas fait d'effort. Il suffisait qu'ils soient le pneu de ces êtres à quatre faces. Ils avaient forcément la quatre faces là en eux. Pour ta main, donc tous les fidèles, tous les enfants de Dieu, ils n'ont qu'à être connectés. Mais comment les roues étaient connectées? La Bible dit l'esprit de ces animaux était dans les roues. Tout à l'heure. Il faut que l'esprit qui est en ton pasteur, l'esprit qui est dans ton pasteur, que tu es sûr que ce pasteur est connecté à un être surnaturel. Pas un être surnaturel, n'importe comment. Pas un chacun est connecté à un être surnaturel. Il faut un être surnaturel dominant. Un être surnaturel qui, quand il est arrêté, on a l'impression qu'il commande le monde. S'il soulève sa tête, toute sa main va partir. S'il soulève ses mains, la terre va partir en fumée. Ou ton pasteur qu'on était à un tel être. Il faut prier Dieu pour que l'esprit qui est en lui. Mais l'esprit qui est en lui, ce n'est pas son esprit. C'est l'esprit qui est quitté sur tes têtes-là, qui est en lui. Mais comme quoi tu ne peux pas le sauter pour être connecté en lui. Parce que lui, c'est un don. Il doit être connecté à cette tête-là. Quand tu dois être connecté à ce don-là, tu t'amènes. Et que l'esprit de ton pasteur aussi vient chez toi. Représentation des quatre faces là, en toi aussi, même si c'est pas sous forme de roue, mais les trois là sont forcément en toi, partout où tu iras, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes activités, les quatre là vont se manifester. Tu seras un évangéliste, tu seras un docteur, tu seras un enseignant, tu seras un apôtre. Un apôtre, c'est un bouteille que les gens vont regarder à distance. Ils vont dire, monsieur, je veux être son bouteille, je puis sur son comportement, je puis sa manière de faire. Cette femme là, je tue son comportement, je tue sa manière de faire. Tu es à portion de savoir. Dis ta main. Amen. 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 Il faut être un enseignant. Je vois la maison, tu es un enseignant. Quand on voulait de tes enfants, il faut les enseigner. Il faut que les paroles qui sortent de ta bouche. On s'en va pas nos papas là. Ils nous enseignent que nos maîtres même qui sont au dehors. Ils enseignent beaucoup plus. Ils enseignent même que les gens même qui nous disent au dehors là-bas. Mon papa est un grand enseignant. Pour que ta femme va voir que tu enseignes. Il y a beaucoup de choses que tu parles qui sont justes, qui sont un enseignant. Tu connais la parole. Tu connais le monde. Il
une enseigne. Cette qualité-là est en toi. Amen. Tu es un pasteur qui domine sa maison avec comme un esprit pastoral. Amen. Il y a un monsieur, Amen. Il y a des pasteurs qui m'ont dit une fois, pourquoi les problèmes se sont levés ici et puis j'ai laissé. Qui devait chasser ce problème il y a longtemps. Et les rebelles qui étaient dans l'église. Qui depuis longtemps devait les chasser, pourquoi il est traîné avec. C'est ça qui les a dit. La capacité d'un homme, ce n'est pas de chasser, mais c'est de supporter. Que quand la Bible a dit, si quelqu'un ne peut pas gérer sa maison, comment il pourra gérer l'église? Vous avez tous compris que c'est de dominer sa maison avec ses muscles, avec ses cris, avec sa force physique. Là, c'est sûr que quand il ira à l'église, il va dominer. Mais un pasteur comme ça, c'est pas un pasteur selon Dieu. Amen, amen, Dieu. Amen. Quand Jésus était venu, amen. Jésus n'est pas venu avec le fouet pour nous frapper. Amen. Jésus est venu avec le bâton. Il regardait Pierre. Pierre parlait à la bouche. Satan parlait à la bouche de Pierre. Amen. Il a supporté Pierre. Amen. Il a vu Thomas. Thomas est un incrédule. Tous les preuves sont là. Mais Thomas dit qu'il ne croit pas, il veut voir ses propres yeux. Pierre a parlé, Jean a parlé, les maris de Magdala, eux se sont parlé. Ceux qui étaient sur la route de Marie, tout ça ils ont parlé. Thomas dit qu'il ne croit pas. Jésus devait toujours être un pasteur, un patient. Quel est le défaut de ce monsieur? Allez sur son côté défaut pour le sauver quand même. Il est parti, il a montré ce qu'il n'a pas fait avec les autres. Il a fait avec un Thomas. Jésus n'était pas un homme dominant pour lui dominer son église. Voilà pourquoi il a dit, dans le monde, quand quelqu'un est chef, il se fait servir. Mais vous, quand vous êtes chef là, c'est vous qui devez servir. Amen. Donc dans vos foyers, quand l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un ne peut pas gérer sa maison, il ne peut pas dominer sa maison, comment pourra-t-il être dominant à l'église? C'est pas pour dominer ta femme en tant que chef. Si tu domines comme ça, c'est bien. Mais si ça ne t'offre pas comme ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'il s'agit, le problème vont se lever vite dans ta famille. Amen. Et tu vas supporter. Amen. Les gens vont venir chez toi, ils ne vont même pas savoir que ta femme t'a désobéi il y a 30 minutes. Amen. Il y a 20 minutes. Amen. Tout se passe bien. Amen. Il n'y a pas de rancune. Tu supportes. Tu la domines avec ses caprices. Amen. C'est comme ça que quand tu vas venir à l'église, amen. Tu vas pouvoir dominer les caprices qui sont ici à l'église. Amen. Voyez ce qui se passe à la maison. C'est ta première église. Tu n'as pas pu dominer ce qui se passe. Et que tu t'imposes, tu vas pouvoir t'imposer forcément à l'église. Amen. Or les gens viennent avec leur onction, avec leur esprit. Amen. Ça va même parler. Ça va casser rapidement. Voilà pourquoi tu dois avoir un esprit de pasteur. Supporter les courriers, supporter les bâtons, supporter les multitudes. C'est que ce sont les multitudes. Tu n'es même pas révélé que ce sont les multitudes. Mais tu les supportes comme si c'était des enfants de Dieu. Il y avait dans l'église de Jésus, Judas, qui était un enfant de la perdition, mais Jésus le supportait. Jésus le prenait comme si c'était un enfant de Dieu aussi. Tu dois faire ça dans ta maison. Tu dois dominer tes problèmes. Mais sans l'onction pastorale, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi quand tu viens ici à l'église, je peux recevoir les quatre êtres là en toi. Tu seras équilibré partout où tu vas partir. Tu auras l'onction de l'air. L'onction de l'œil qui est prévoyant, qui voit d'avance ce qui va arriver, qui comprend les choses les plus difficiles. Tu seras dans des endroits où les leçons sont difficiles à comprendre, difficiles à cerner, mais toi tu vas comprendre, parce que tu as l'esprit de l'œil qui comprend les choses, qui brise les choses, qui comprend les choses que les choses ne comprennent pas. Tu dois avoir cette onction-là forcément en toi pour te dire que là où les choses échouent, moi j'ai un esprit qui là. Et dans ça, tu vas monter plus haut, tu vas voir des choses en avance dans tes activités, chez toi, à la maison, tu vas voir des choses en avance, parce que l'esprit de l'air, l'esprit de l'évangéliste, c'est l'esprit qui
personne, mais tu ne savais pas. Parce que tu vivais ta vie, mais tu vivais comme un modèle pour tous les autres. Donc chacun s'est inspiré de ta vie. Et quelque part, ça les a fait du bien. Moi, ça les a orientés vers Dieu sans que tu ne le saches. Ton comportement doit servir d'apôtre partout où tu passes, à la maison, dans ton service, partout où tu fais quelque chose. Tu dois savoir que je suis un apôtre à au niveau que je suis. Quand tu es. Il y a docteur, c'est ça l'enseignant, il y a l'évangéliste, c'est ça le prévoyant, et il y a l'apôtre, et il y a quoi encore, et il y a le pasteur. Donc vous devez savoir qu'à tous les niveaux de votre vie, les quatre onctions-là ont leur manifestation. Ce n'est pas seulement ici à l'église. Dieu va tester ce que tu as là, ton bureau là-bas. Ce n'est pas ici qu'il va tester. Si tu es vraiment patient, il va tester ça au dehors. Si tu es un vrai enseignant, quand quelqu'un va t'envoyer un problème devant toi, comment tu vas enseigner la personne? Pour que la personne parle avec la vérité et non avec le mensonge. Dieu va te tester ce don là au dehors. Quand tu vas avoir des problèmes avec ta maison, Dieu va tester ce don de domination au dehors. Donc tu dois savoir que quand tu viens ici, tu vas être connecté aux quatre êtres-là. On lève qui est au ciel. Il a quatre faces. Il a les trois pneus là. Dans son impuneux qu'il a, les autres là sont dedans. Toi, tout ce que tu dois faire, tu dois être connecté à ce don-là. Tu s'élèves au moment où le don s'élève. Au moment de poser, il descend. Ce n'est pas son choix. C'est un choix de Dieu. C'est un choix qui t'élève. C'est un choix qui te descend. Il te descend dans la bassesse. Il t'élève dans les hauteurs. On va se tenir debout. Amen. Les vents du tourbillon sont maintenant devant toi ici. C'est maintenant au complet. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es la finité de Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es un Dieu trois fois saint. Mais tu dois arriver au chiffre 4 qui est la délivrance. On ne peut pas s'arrêter. Tu le message du temps de la fin. Pendant que c'est grand, on s'attendait à notre message. Mais il y a un quatrième vent qui doit se lever au midi. Qu'est-ce que ça sera? C'est la manifestation de l'épouse. C'est le pouce qui parle. Le pouce qui vient. L'esprit qui vient. Le pouce parle aussi. Le pouce n'a pas sa bouche fermée. Alors cette manifestation est ici au midi, le quatrième vent, la pluie que Ézéchiel a vu est maintenant au complet. Les vents du tourbillon sont maintenant au complet, ici au midi. Pardon, vous ne pouvez pas prêcher ça. Dieu l'a empêché de prêcher ça. Parce que la grâce n'est pas encore au complet. Il va prêcher, il va prophétiser. Et les gens vont voir clair d'avance. Je lui ai dit, laisse ce message-là. Il y a quatre vents. Il faut t'arrêter là, il faut t'arrêter, il faut pas te faire.
Elle est en train de se déverser déjà pendant ceux qui
montre pas avec ton grand docteur. On ne montre pas avec ton grand apôtre. On ne montre pas avec ton grand évangéliste. On montre avec l'esprit qui a le goût pour tous les fonctions du temps. Tous les ministères sont dans un air ici sur la terre. Notre Seigneur est pour le vent du midi peut partir à manifestation. Pour qu'il y ait un vent là-bas, en Orient, il y avait un ministère là-bas qui incarnait tous les pudeurs en lui. Pour qu'il va voir le vent du Nord, il y a eu plusieurs messagers. Le Père en lui, qui découvre le Saint-Esprit en lui, qui découvre le Fils en lui.
Un tourbillon est appelé sur